This is a movie perception test. Watch this brief video of a conversation, and then I'll ask you some questions about it. Dis donc, je viens de tomber sur les expériences de Levin et Simons. Tu savais qu'on pouvait pas faire entièrement confiance à notre cerveau? Ouais, bah, c'est notre mémoire qui nous joue des tours. On pourrait faire une vidéo dans laquelle on ferait des petits changements que les gens ne remarqueraient même pas. Comme quoi? On pourrait changer nos habits, par exemple. Le cerveau ne s'en rendrait même pas compte et les gens suivraient notre conversation normalement. Tu veux dire que personne ne se rendrait compte de rien? C'est abusé. J'ai du mal à te croire, mais je pense que je le verrai. C'est vraiment prendre les gens pour des cons. Non, je t'assure, leur attention sera totalement focalisée sur notre conversation et remarquerait même pas les changements. J'ai des doutes. Mais je vais bien vérifier. Qu'est-ce qu'on pourrait changer d'autre? Par exemple, on pourrait inverser le bloc-notes et l'ordinateur. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. À mon avis, ils vont tout noter, et on aura fait tout ça pour rien. Other than the strange dialogue, did you notice anything unusual? The movie you just watched had 9 intentional editing mistakes. Did you spot any of them? Watch it again. Observons Sébastien et Romain. Dans ce premier plan, la cuillère qui est dans la tasse de Sébastien est une cuillère argentée. Tandis que dans le deuxième plan, la cuillère qui est dans la tasse de Sébastien est une cuillère à manche bleue avec un embout doré. Dans le plan suivant, il fallait remarquer le spéculoos qui a été dissimulé derrière la tasse de Romain. Dans le plan suivant, Romain s'est rasé la barbe et ne porte désormais plus que le bouc. Tandis que dans le plan suivant, Sébastien, lui, a dissimulé un stylo sur le revers de sa veste. Vous noterez également que Romain n'a pas les mains sur la table, contrairement au plan suivant où il a le poing posé sur la table. Il est également important de noter dans ce plan pour la suite que les boîtes sont dans l'ordre noir-rouge. Sur ce plan-là, Romain ne boit plus de café, mais du thé, comme en témoigne le sachet. Dans ce plan, la musique est bien de Philip Glass, mais il ne s'agit plus du prélude de l'acte 1, mais de la scène 2 de l'acte 2. Et enfin, comme nous vous l'avions fait remarquer tout à l'heure, dans ce plan, les boîtes ont été inversées dans l'ordre rouge puis noir. Most people don't notice any of the changes, a phenomenon known as change blindness. But most people are confident that they would notice the changes. That is the illusion of memory.